le site Power Santé qui est une parapharmacie en ligne. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Cette vidéo est vraiment particulière puisqu'il s'agit d'un concours. Plusieurs youtubeuses ont eu l'occasion de choisir plusieurs produits qui constituent leur power routine. Ces youtubeuses vont à tour de rôle proposer sur leur chaîne ces box constituées donc des produits choisis. Et c'est à vous, en tant qu'abonné, d'aller voter sur le site de Power Santé afin d'élire la youtubeuse qui aura proposé la meilleure power routine. Là où ça va vous intéresser, c'est qu'il s'agit premièrement d'un concours entre youtubeuses. Alors c'est un concours vraiment bon enfant qui va permettre d'élire la meilleure power routine, mais également de faire gagner à 30 d'entre vous la power routine de la youtubeuse gagnante. À la fin de la vidéo, n'oubliez surtout pas d'aller voter pour cette box si elle vous intéresse, parce que ce sera l'occasion pour vous de peut-être la remporter. Je suis partie sur des produits que j'aurais tendance à utiliser en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi. On y va! Le premier produit de ma power routine est en fin de compte une crème de jour qui, écoutez, hydrate, apporte un glow et bronze votre visage. Bam! Cette crème, ça fait déjà un moment que je l'utilise et pour tout vous dire, je suis ravie et je suis même excédée. Je suis excédée sur le fait que personne n'en ait jamais parlé. Parce que alors vraiment, tous ceux et celles qui aiment les teints lumineux, qui aiment les teints dorés et qui ont besoin d'hydratation, là c'est un 3 en 1 quoi. Cette crème, ce qui m'a particulièrement marqué dès la première utilisation, c'est l'effet glowy qu'elle apporte tout de suite au teint. Et effectivement, à force de l'utiliser, elle vous donne un doré sur le visage trop naturel, mais trop naturel. Je vois pas comment on peut se planter, je vois pas comment on peut se vautrer sur cet auto-bronzant naturel puisque cette crème vous apporte un hâle vraiment naturel. Et puis en ce qui concerne l'hydratation, vraiment rien à envier à toutes les crèmes hydratantes dont je vous ai déjà parlé et que j'aime particulièrement. Ce produit, la seule chose qui peut éventuellement gêner, c'est le fait qu'ils sentent un tout petit peu l'auto-bronzant. Mais vraiment, faites-moi confiance si vous voulez vraiment avoir un glow et que votre peau évolue et devienne de plus en plus dorée, que ça fasse hyper naturel et que ce soit tellement simple à utiliser. Franchement, il faut aller vers une crème hydratante de chez Saint-Tropez. Je savais même pas que ça existait. En deuxième lieu, j'ai choisi de prendre des tatouages éphémères dorés et argentés. Alors, vous allez certainement pas le voir chez d'autres youtubeurs parce que c'est vrai que c'est pas forcément un truc sur lequel on jette, mais c'est vrai que moi, ça faisait plusieurs années même que je me disais, Wendy, tu devrais t'acheter des petits tatouages comme ça éphémères pour l'été, parce que c'est vrai que j'ai tendance à vite prendre des couleurs et je trouve ça tellement élégant. Vous voyez par exemple cette plaque là, mettre un petit tatouage comme ça argenté le long du poignet, ou une jolie plume sur le pied ou au niveau de la cheville, je trouve ça très raffiné, très joli, très estival et j'aime tellement, c'est hyper simple, voilà, c'est enfantin, c'est du tatouage éphémère, vous savez très bien comment on utilise des décalcomanies. Ceux qui ont eu des malabars dans leur vie savent très bien comment ça fonctionne, sauf que là c'est tellement joli. Je ne pouvais pas parler de power routine estivale sans prendre une huile sèche. Les huiles sèches en été, c'est toute ma vie parce que j'ai la peau sèche, parce que je trouve que c'est facile d'utilisation, parce qu'elles sentent grave bon l'été. Celle-ci, donc, c'est de la marque René Furterer. Donc Furterer, je connais énormément pour la gamme au karité que j'utilise beaucoup pour mes cheveux très secs, mais je vais revenir là-dessus juste après. Donc celle-ci, c'est la 5 Sens huile sèche sublimatrice. Donc c'est pour les cheveux et pour le corps. Donc Furterer, c'est une marque qui est, au niveau de la composition, je crois, assez clean. C'est vrai que je m'intéresse pas suffisamment à ça, mais je crois que c'est assez correct. Et c'est surtout ce que j'aime beaucoup et ce que je recommande à toutes les marques qui font des huiles sèches, s'il vous plaît, mettez des vaporisateurs comme Furterer parce que c'est tellement pratique à utiliser. Mais j'aime beaucoup appliquer de l'huile et encore plus le soir quand je suis rentrée de la plage, que j'ai pris ma douche et que je m'applique l'huile comme ça sur le corps et c'est ce que ça laisse un voile satiné. Ça, plus les petits tatouages éphémères là, je suis au taquet, au taquet. Je vous ai parlé justement de la gamme au karité de chez Furterer que je connais. Généralement, les personnes qui ont les cheveux défrisés, frisés ou secs s'orientent beaucoup sur tout ce qui est karité et la gamme karité de chez Furterer est excellente. Alors ce masque là, je ne l'avais jamais testé, mais forcément, masque hydratant, brillant, cheveux secs, j'ai envie de dire, ça sonne comme ça, ça m'attire énormément. La seule chose que je regrette au niveau de Furterer, c'est l'odeur, puisque c'est très végétal et c'est vrai que moi je suis pas forcément attirée vers ces odeurs là. À moins
L'huile sèche, par contre, ne sent pas du tout le végétal, elle sent très très bon. Moi, je suis très fruitée, très monoï, etc. Donc, c'est la petite chose que j'ai à reprocher. Effectivement, ce qu'ils disent, c'est que ça réhydrate les cheveux secs, qui sont fragilisés également grâce au karité, qui est un actif naturel mythique associé à un complexe restructurant. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est laisser ce masque et mettre une serviette chaude par-dessus. Il n'y a pas besoin de le laisser poser longtemps et c'est ce que j'aime beaucoup parce que quand il faut attendre 15 jours, ça m'agace. Donc tu laisses poser 2 à 5 minutes et c'est suffisant. Et quand tu rinces, je t'assure que ton cheveu est vraiment doux et on voit qu'il s'est passé quelque chose. Donc j'adore. Et puis c'est Furtherer, donc vraiment c'est une marque qui pour moi a déjà conquis une bonne part de marché en ce qui concerne nos cheveux fragiles. On oublie que les cheveux ont soif, on oublie qu'il faut les hydrater. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément envie de faire ces produits maison parce que c'est fastidieux, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, parce que ça nous saoule et qu'on sait pas quoi foutre dedans, et ben on peut toujours partir sur ce genre de produit où on est sûr clairement on ne va pas faire du mal à nos cheveux et c'est hyper important, d'autant plus l'été que l'hiver parce que nos cheveux sont encore plus secs, ont encore plus soif, il faut penser à les hydrater. Voilà pour ma power routine, je vous invite à aller voter pour cette box si ça vous intéresse de la remporter ou de voter pour d'autres box si ça vous intéresse de les remporter. Je rappelle qu'il y aura quand même 30 gagnants, donc ça ne coûte rien de participer hein, de toute façon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux. Bye bye.